Salut à tous et bien sur Magic Arena et faire comment ça va ça fou? va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Orion ultimatum voilà le deck un petit peu novateur qui casse tout en standard ça a déjà fait 367 top 8 en un jour non, non. Mais ça a quand même fait pas mal de perfs, euh, sympathique ou sympathique. Ouais. Je sais pas si ça a gagné, mais en tout cas, c'est si, bien placé. C'est le deck de la semaine 2 actuellement. Ça a gagné le Star City Game Tour. Donc voilà, le tournoi auquel tu te qualifiais en faisant euh, les euh, Star City Games satellites. Donc les qualifiés oui, C'est euh, nous, nous les satellites. Il y a eu pas mal de gens qui ont joué ces versions-là, alors sous différents angles et tout. Mais voilà, grosso modo, c'est un petit peu la decklist hype du moment avec Ragdos Midrange, ce Sulta Ultimatum. Avant de passer à la deck tech, on vous encourage à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, de dérouler la description pour peut-être regarder nos réseaux sociaux ou alors notre chaîne Twitch. Euh, partagez dans les commentaires, évidemment, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Euh, ça nous aide pour le référencement, ça nous aide pour grandir, entre guillemets, dans ce game obscur qu'est YouTube. Mmh. Abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez la notification, le petit pouce bleu. Merci à tous, et vous avez notre Tipeee dans la description pour ceux qui voudraient nous, notre, euh, nous soutenir. Pardonnez Moi, formidable. je ne pas fouille. Bah, quasiment tout dit et je vais remercier du coup Magic Bazaar, Play-In, Magic Bazaar, donc pas, donc pas tout dit, qui régale comme d'habitude code ValetPL 2021 sur leur boutique, réutilisable par ceux qui ont utilisé l'ancien, 50% de points de fidélité supplémentaires, ce qui est énorme, ce qui est énorme, ça vous donne des bons achats et tout, ça vous donne des bons achats, mais quelqu'un vient, vous balance des bons achats dans la gueule comme ça, dans la tête, faut être pas prévenu, pas, pas. voilà, sachez que ça va arriver, ça régale, merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient, le petit code créateur Magic FR, sur boutique Store, on est parti, merci d'ailleurs d'avoir répondu dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, euh, sur, euh, on vous demandait si jamais vous préfériez qu'on enregistre, qu'on fasse ça naturellement, etc. Il euh, bah, euh, y avait euh, un petit peu euh, les deux avis, mais ce qui l'emporte emporte majoritairement, c'est les gens qui nous demandent de continuer à le faire naturellement, euh, parce qu'on ne le fait jamais de la même façon, ouais. au même moment ou quoi, ça rend la vidéo un petit peu plus vivante. Les gens préfèrent. On va rester comme ça pour le moment. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, voilà, on en aura marre en se disant, allons ouais, voilà. Moi, très, voilà, très honnêtement, en fait, ça, ça me va très bien de rester au naturel. Je trouve ça un, très, peu très bien, euh, ouais. un peu plus cool. On part directement sur Sulta Yurion Ultimatum. Alors, cette decklist, quel est le but Le but principal, c'est de jouer avec Ultimatum émergent. Je vous expliquer ce que ça fait. Pour cette mana, donc, jamais vu cette carte. deux noirs, trois verts et deux bleus, effectivement, c'est une carte qui n'a pas été jouée dans l'ancien standard, qui n'a pas été jouée au début du nouveau standard, mais qui fait son apparition grâce à Kaldheim, Vous cherchez jusqu'à trois cartes monochrome, donc d'une seule couleur, avec des noms différents dans votre bibliothèque. Vous les exilez un adversaire choisit une de ces cartes. Vous mélangez cette carte dans votre bibliothèque et vous pouvez lancer les autres sans payer leur coût de mana. Vous l'ultimatum émergent comme tous les ultimatums et ça vous permet, je vulgarise, de prendre trois cartes de votre deck, de les montrer à votre oppo. Votre oppo il en choisit une, il vous dit celle-là tu la joues pas dégage. et les deux autres vous les jouez. Ça vous permet de créer des petites, euh, des petites duels, des petits euh, choix cornéliens pour votre adversaire, du des, des vrais euh, ultimatums pour le mmh. coup à votre adversaire. Vous allez lui proposer par exemple une révélation d'alronde un Vorinclex et un Tibalt ou alors une révélation d'alronde une Cura euh, 20 la Death de la Mer et un Vorin ou alors un Vorin une Cura 20 la de la Mer et un Tibalt. Et votre adversaire, forcément, va être obligé de vous donner deux cartes. Mais s'il vous donne des associations de cartes, ça peut être très puissant. Je pense notamment à Vorin avec Cura 20 la de la Mer qui va arriver directement avec ses deux effets, la 8-8 et qui va engager tous vos permanents. Si oui, il vous laisse. Très fort, très très fort. Si jamais il vous laisse Vorin avec un Tibalt. Bah alors dans ce cas ça fait Tibalt qui arrive ouais. et qui peut directement faire son ulti. comment ça on peut caster un Tibalt très, très 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 puissant dans ouais, la carte est alors que c'est des cartes monochromes en fait c'est une carte monochrome Valky c'est seulement la phase B euh, qui est multicolore et donc sous Ultimatum vous avez le choix de jouer Tibalt et parce que moment où ouais. vous la lancez vous choisissez quel côté vous lancez exactement donc c'est un petit trick euh, actuellement qui vous permet ouais. de jouer Tibalt alors que vous avez été chercher Valky sur l'Ultimatum et si jamais vous jouez euh, si jamais on vous laisse Révélation d'Alrond avec un euh, Tibalt bah du coup vous jouez un tour supplémentaire avec un super Planeswalker sur le board si jamais si jamais c'est avec un Vorein Clex, bah il va prendre 12 dégâts de piétinement parce que vous allez attaquer deux fois. Et si jamais il vous laisse Kiora avant la Death de la Mer, bah vous ferez aussi les deux effets. Parce il que il vous mourra. allez jouer un tour supplémentaire. A noter que si vous avez déjà passé ces cartes-là, parce que vous avez déjà joué des ultimatums, que vous êtes en late game, il y a d'autres cartes impactantes. Vous pouvez aller chercher une Vras, vous pouvez aller chercher une Restauration euh, des portes-mères pour piocher plein, plein de cartes. Donc voilà, c'est vraiment le but de cet ultimatum c'est de donner un choix, mais qui n'est pas vraiment un choix, de faire une proposition à l'adversaire qui va lui faire perdre instantanément la partie. À côté de ça, on a un package ramp avec les accélérateurs, un package contrôle avec les antibêtes et un package de bonnes cartes à blink avec Elspeth Conquardes pour protéger votre ultimatum au moment où vous allez le jouer et des emprisonnements des dieux très anciens parce que c'est la meilleure carte de Kaldem actuellement. Mmh. Parle-nous des petits chars quand même. Les petits la chats meilleure carte du deck. Je pense que c'est la moins bonne carte du deck, malheureusement. Je suis désolé. Right. Je vais boire pour oublier. Mais euh, cette carte, elle a été jouée dans certaines listes, pas dans toutes, mais moi j'apprécie son côté défensif contre les jeux agressifs. Oh, C'est-à-dire le Et les petits chats sont magnifiques, il ne faut pas se mentir. Ça vous permet d'avoir un bon effet à blink sur votre Yorion pour recréer des tokens de 2 et du coup pouvoir bloquer euh, en début de partie. Et puis ça peut aussi avoir une stratégie un petit peu agressive, proactive dans les match-ups où ça pionce. Littéralement, j'attaque oui. avec mon chariot, oh, je appelle ça Tu, tu peux t'emmerder tu peux un petit peu. Euh, Petite spécificité, petite c'est spécificité, très difficile le matin oui, de parler je... quand on a bu deux litres de vodka avant. Petite spécificité de chacun. cette decklist, chacun. Euh, je me suis permis, ce qui n'était pas le cas des decklists, euh, de rajouter des Land of Color pour pouvoir jouer valky notamment Tibalt, sans passer par l'ultimatum. Ça nous permet, du coup, grâce à notre emprisonnement des dieux anciens, d'aller chercher un triome de Ketria, qui est une forêt, qui va du coup apporter de la couleur rouge pour qu'on puisse jouer le Tibalt sans passer par l'ultimatum. Et j'ai rajouté aussi un passouet de chaque. Parce que c'est gratuit Parce que c'est gratuit, ce sont des passoués sul-time et qui derrière en phase B vous permettent d'avoir un mana rouge et donc du coup de jouer votre T-Balt. Notamment dans certains match-up où Ultimatum ne brillera pas parce qu'il ne pourra pas résoudre et vous allez passer dans le side pour entrer des contres et de l'interaction, vous avez quand même moyen d'avoir un T-Balt en late game. Et je trouve ça, à ma foi, plutôt intéressant. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un consensus, pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Oui, c'est vrai qu'avec euh, les passages, ça a l'air un peu gratuit. C'est as assez de basique. Ça donc... m'a l'air extrêmement ouais. gratuit. Par contre, on n'a pas le droit de jouer de montagne. Parce ouais, qu'une bon. montagne, ça retarde forcément l'ultimatum émergent. Alors, alors que les passages, tu peux... Euh, tu, tu dois, dois faire, faire, faire un choix, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça. Donc ça te permet juste, en late game, si t'as ton T-Ball, de jouer ton passage dans la bonne couleur. Voilà, euh, on a à peu près tout dit. Après, voilà, le reste, c'est du package contrôle. Après, oui. side, on a dit typhon de requin et plein de contres. Un petit peu comme dans l'ancien standard avec Bant et Sultai Control. Le but étant de respecter les ultimatums de vos adversaires, parce que ça decklist hype du moment. Euh, en les contrant et compagnie, et nous en tuant avec nos typhons, la ouais. base. Déglise qui a le meilleur pourcentage de win rate euh, quand elle est apparue d'ailleurs. Ouais, C'est bah euh, cette semaine, est, elle est à égalité 56,3% et 56,4% avec Rakdos Midrange, qui sont les deux decks mmh. qui ont apparu cette semaine et qui ont bah, été un petit, peu, euh, un petit peu meilleurs que les autres decks du format. Les decks qui ont apparu Qui sont apparus. Oui, il manquait le S. Eh, il faut pas ils reprendre pas un mec qui a eu de litres de vodka. Il faut reprendre de la vodka plutôt. Toujours, toujours. énorme. A noter que ce qui est intéressant avec cette liste là, c'est que ça bat naturellement plutôt bien les decks rog, parce que vous avez 80 cartes dans le deck. Ulti. C'est ça. Et ça, c'est ah, bien. Les classements. Et bah c'est parti, on va voir ce que ça donne cette petite decklist. Sarulf. Sarulf, bon col hein Pas du tout. <laughs> je l'ai vu dans une decklist de Legacy, je crois. Ah, enfin. Mais c'est bien. Bah, oui. c'est déjà bien, franchement. Bah, oui, c'est bien. Si une carte va jusqu'en Legacy... C'est bon. une ga, bonne carte. C'est du potentiel. Effectivement. Oh, Steve Forte. Stevie Forte. Est-ce qu'on va se régaler C'est un pote ou ça, je crois. Oui. Ben moi, je pense qu'on va se régaler. Après, il va falloir un mana vert dans cette main. Quoique, on peut faire grimoire, avoir un anti bête et. Enfin, un anti -bet. Un contre. Un et coup, contre. Un oh, on regarde ce que c'est Tu as perturbation euh, terrain un... C'est un énorme quipe, ouais, la perturbation terrain. Un... Oh, les stratégies blanches agressives qui sont un peu en recul okay. cette semaine. Ça, on le bouffe, ça On va le bouffer avec on le grignoter. Ouais, pas mal. Après, sans mana vert, on va peiner. Hein. Il a la mana vert, mal. Peine ligate, comme on dit. Oh Ok, ça, c'est mono blanc Tain, agressif. C'est une décliste qui joue que des tours et 12 euh, effets antennes, ça. Ok. En, en, ancienne, pardon. Ancienne, glorieuse. Glorieuse, pardon. Euh, on va juste jouer un mana noir. Ouais. Alors. Que grimoire ou perturbation s'il va curver un truc, c'est mieux perturbation. Le problème, c'est est-ce qu'il va curver un truc, sachant que ses effets anciennes glorieuses, il y en a qui coûtent deux. Et donc, du coup, s'il si lande et qu'il fait ancienne, il passe outre perturbation. Ouais. Je pense que je mettrai Grimoire pour préparer les 4 points de vie. Ouais. Et Scry pour aller chercher le c'est ça. Dans tous les cas, on peut faire cauchemar d'espèce tour prochain. C'est là où nos antibêtes de masse vont être impactants. Ok, bah tu vois, on n'aurait pas pu euh, perturbation ici. Ouais, on aurait juste pu contrer un rapace. Ah, c'est vraiment du pipi ces decklist. là. Oh là la sauce que ça met. Mais ça nous défonce. Mm. Enfin, là, ça va, on prend que 3. Mais prochain, s'il a un effet plus 1 plus 1 à tout, terminado. Et il a un effet plus 1 plus 1 à, euh... à tout, je te rassure. C'est le but de son deck, je pense. Ok, là on peut pas trop faire culture, je pense. En fait, si on avait un anti de masse, notamment à 5, on ferait culture ouais. histoire de survivre. Le problème, c'est que là on va juste mourir. donc. Euh... Là, tu peux cauchemar pour enlever un de deux. 2 Ouais, mais on est mort sur un effet antenne, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu reprends 5, tu passes à... Ouais, tu passes à 5, hein, s'il si y a un effet. De... elles sont tellement de... horribles, ces déclistes-là. C'est plus des déclistes de BO1. Et c'est vrai que, bah, Game 1, quand t'es pas, voilà, pas habitué, tu te fais déchirer, quoi. Ou c'est dur. Bah, Après, le... La décliste, elle est pas faite pour jouer contre ça. Non. C'est vrai que ça, ça, ça existait pas trop euh, récemment. Ça, ça a fait un peu le buzz sur les internets, mais plus sur du ladder. C'est pas une mm. décliste de tournoi, quoi. Mm. Ouais. C'est vrai qu'après ça, tu touches une et le mec il a perdu. Ouais. Ah bah il n'y a plus de cartes en main et nous euh, on a un late game. C'est ça. va ouais, nickel ça. Ouais, mais ça tue pas tout. Hein. Ça nous laisse à 1 quoi. Si tu dis père, ça nous laisse à 1. à 1. Si tu dis un père, on est mort. Ouais, bah écoute, on va dire père. De toute façon là, t'auras rien de mieux, je crois. Oui, on aura rien qui nous sauve, effectivement. Oh. Après là, il triche. Je... Ça, ça ne fait que ça, ce deck-là. Mais... Non, mais il triche. Oui. Mm. Ah non, pardon. Il faut qu'on arrête de pleurer quand l'adversaire a une carte Et notre decklist, euh... que j'ai un petit peu retouché, designé pour battre le Mirror. Plus du cul Du coup, après side. Euh... Oui, parce qu'on a contre... fait l'impasse. <laughs> contre notre oh, En vrai, ça as deux verdicts des ombres. Vraiment, mais... sur le ladder, une decklist sur deux, c'est sur le Ultimatum. Donc, c'était juste un bon call de... De modifier un peu. ouais Sauf que là... Euh... Ah, c'est fini. Ah, tu mets oh. pas un petit sacripé à la poussière, ça fait gagner 3 PV. Non, non. Je crois pas. Qu'est-ce qu'on va enlever du coup euh... pas Rien. Hein. En vrai, le deck, il est, il est solide comme ça. Hein. Non. Oh, ça a plus de ouf là. Après, il y a 6 bras. Euh... Pas à me prouver, quoi. Euh... Pas un quoi. Ou on va juste jouer un deuxième BO. Oui, 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 c'est vrai. Oh Oh! Ah, ben voilà! Très très bien. Alors, en plus, les gens nous demandent de voir plusieurs match-up. Donc, euh, nickel. on va en voir deux, du coup, en parce la vidéo. Ne se peut... Je crois que je vais jouer un vert ici, tapé. Ouais. C'est un passage d'Imir, là, que t'as? Ouais. Ouais, parce qu'il faut deux à noires, quand même, pour le verdict. Ouais, mais avec culture, on est sûr culture, de les on avoir. On chercher. Hein. Donc, ça devrait aller. Ouais, manas noire. De Solulu. 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 Mec, incroyable, tellement ça. connecté, voilà. Voilà. Bonne soif. Hop. Et j'ai un des roses. I. A. Ou A. I. Rapace. Et putain, mais mec. Il des euh... et des anciennes glorieuses. Il n'y a que ça, je te jure. Et le tour 2 qui crée des, des tokens. C'est vraiment ah, que bah, ça, okay. la liste. Il y a une petite culture ici. C'est d'un nul à chier, ça me donne envie d'aller dans tes toilettes. Ah, mais si tu vas dans tes toilettes, dans mes toilettes, tu fais alors, ce que tu veux. Mais euh, mais de respecter quand même ton parterre. Bleu bleu vert, parce qu'il faut trois mana vert pour l'ultimatum quand même. Ou double vert, parce qu'on a déjà un mana bleu. Bah du coup bleu, parce qu'on a déjà le mana, on a déjà deux mana noirs. Ah non, mais avec le havre, on a deux mana ouais. verts, donc un bleu, un vert. Ouais, mmh, Ouais, parce que effectivement, il nous faut trois verts pour les ultimatums, ça c'est important. T'as raison. Cela ne se peut. Si si. Mmh, T'as landé Ah ouais, tu pu une landé, faire juste culture. Pour aller euh, pour mettre le land que tu as cherché. Tu avais une info de moins à révéler. Ah oui, c'est vrai. Et 6, hein 6 aussi, se mange 6 aussi aussi. Je suis plus là. Merde, avec des ombres. Ça dégage. J'ai cru que ça avait exilé que, la... que le drop 1 à gauche. Très déçu. On n'a pas lu. et eh ben elle est pas bonne cette brasse. C'est un anti ciblé pour 5. C'est une oh. mauvaise commune. En vrai, son deck, ça va, ça va vite et fort. Hein. Vas-y encore, mets toute ta main s'il te plaît, viens, on rigole. Ah oh, oui, viens, on rigole. Encore un peu J'ai les manas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est fantastique Et en plus, Vardic des Ombres, ça exile son truc là. Son, son ange là de merde. Ouais. Poubelle. Mais voilà, mais il est facile le deck. Poubellus. Hein. On a fait genre, oh, on va vite passer et tout, au BO. Poubellus. Ça va être cauchemar d'Elsped, Desika, un grand classique. Tu qu'il y remettre la 3-4 ans, j'allais dire bon, par contre, stop là, en fait. On choisit pas bah, Par cas. contre, tu fais juste le chien, en fait. Tu permets, j'autopilote ce deck. Ouais, si, vas-y, vas-y. On va pas te déranger. Un petit chat. Deux un petits petit chat. chats. Si on trouve un land, on fait rien je blingue tout. Qu'est-ce qui va se passer ah, C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il va faire ah, tu... Attends, tu prends 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais oui. Oh, mais, mais, oui mais, mais bien sûr Oh, il attaque le fou. Ah bah là, perdu pour perdu, il y va. Hein. C'est légendaire, je n'ai pas le droit. Non. Bah tu peux refaire des Tu fais culture et tu reprends tu prends yon yon hein. Ouais, et je j'attaque aussi. Hein. Ouais. piloton Spoiler, on a gagné cette game. Là maintenant il faut juste la finir. Ne leur dis pas, ils ont pas vu la fin. C'est moi, le val du futur. T'as déjà regardé le visiteur du futur ça me parle. C'est une série sur YouTube. Ça me parle pas. Je sais pas si c'était sur YouTube à la base peut peut-être sur Dailymotion. Du coup, ça me parle pas, pardon. J'ai pas vu, je crois. Mais c'est fort sympa. On est bien. On est bien, bien. 1, 2, 3. Tu peux prendre Orion et. Et jouer Toi, tu laisses deux manas bleu toi. Pas de ouais. place au bluff Non. Bah là, de toute façon, euh... en vrai, aux F, hein. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a moyen qu'il nous tue Est-ce qu'il y a moyen qu'on perde cette game encore Ça joue vraiment 12 effets anciennes Glorieuse. C'est incroyable par contre. Ah oui, c'est on pose du board, on buff le board. Ça n'a aucun sens. Bah enfin, si, ça a beaucoup de sens, mais... Mais du coup, comment ce que s'en sort contre un, un deck mur Il perd. Ah, il faut que tu aies des murs volants, cela dit. Ça va, tu, mets, tu joues mur et euh, 40. Mais ça vraiment, son deck, littéralement, ça me ferait chier si je suis constipé. Tu vois ce que je veux dire C'est un bon remède, du coup. Ah bah excellent, excellent. Ah tu peux pas blinker la saga du coup. Quoi qu'on en est plus là, hein. Il a quoi Est-ce que ça, son événement gère ses deux trucs Non c'est rien père, père. c'est chiant. Ouais. Si tu pouvais lui enlever les deux, je t'aurais dit pourquoi pas, mais. vas-y, tu dégages tout et Orion il va on va faire le taf. Quoi. Le taf. Euh, je, je vais le mettre en, je vais mettre en rouge au cas où on topdeck un Tibalt hein, à un moment donné. Jamais vu un mec comme toi. Bah, la non plus, mais. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc que j'entends souvent. Euh, je crois qu'on va attaquer avec Chariot des Oui. Ça mange pas de pain. Bon, on peut encore perdre la game, c'est ça qui m'énerve là, actuellement. Bah, attention, tu veux bloquer le board euh, s'il a pas d'effet euh, trop chiant. Non, mais. Une possibilité quoi. Faire. Ouais. en 4 je peux culture avant d'ailleurs sur ouais. la culture de Yurion, ça me laisse quoi? Un mana rouge, ça n'a aucun sens. Pas du tout. Je non, fais attention parce que l'eau, bah non, ça ah la... pas de bleu, Putain, mais c'est fou. Ah ouais, il là... faut deux bleus pour Yurion, ah ouais, okay. ah parce que je me suis fait prendre par l'autotap plusieurs ouais. fois là récemment. Blink, euh, blink tous les tokens. Ouais, comme ça on les terres. C'était notre explosion le dernier. Pouf. Ouais. Ça tu l'as, hein Ouais, je l'ai, je l'ai. garde une vraie on sait jamais. Parce que là, si jamais il tue Orion, je sais pas si on le... Ah si, avec tous les chats qu'on a, on le tue quand même. Mais comment il tue Orion ouais, Je sais pas tu pas tu me fais peur, fait. peur là. Comment tuent... genre, comme... il, a... comment il fait, sort d'exil euh, qui pue, tu vois y a Ah pas mais non, non. mais il tue Orion, il tue facile. Ah Bien joué. Je cherchais la. Parce que dans ma tête, Ture dans son deck, c'est une 1-2. Mais non C'est une 2-3. Une... Ou une 3-4. Déjà, c'est une 3-4. Ou une 4-5. Là, c'est une 3-3, d'ailleurs. Et en plus, ça tue Orion. Une... Putain, mais on n'a rien à mettre contre lui en side. On a quoi. Typhon, est-ce que c'est pas mieux que certaines cartes C'est mieux que ça, je pense. Ouais, ça fait du, du board. C'est ça. Oh, euh, ça oui. peut... Le board. C'est pas un... un chevalier dans. Dans la table ronde euh, Ouais, enfin dans non. Kaamelott. Ah mais tu sais que mort. Qu malheureusement, j'ai pas toutes les rêves, quoi. Aïe, aïe, aïe. aïe. aïe, aïe, aïe. Ah, Valky, on a vu que c'était un land aussi, de l'autre côté. En fait, c'est une carte triangulaire, elle a trois faces. On a même pas de noir. Ah, elle est nulle, cette main. Non ah, non, ça dégage. Mieux Oui. Bon, ça peut quand même pas vibrer, quoi. Genre, contre lui, c'est tout, tout, tout pourri. Ouais, il va marrer. Ça me fait peur, cette liste. Hein. Ouais, après tu fais tour 3, une 2 une, de deux, deux fly et euh, tu pioches. Donc. Euh, ça va, ça va tenir le board qui fait. Ça peut Non, j'avoue, ça peut. Euh, on va mettre un mana vert. Ouais. ouais. Les nouveaux bilans euh, en foulard, ils sont magnifiques. Magnifiques. Ils sont Son dingos, quoi. À retrouver le, sur la boutique. Il y a plein de gens qui demandent à chaque fois. Mm. Il commence déjà à être véhément, lui. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je crois qu'il faut le loup pour Chariot desical le plus rapidement possible. Ouais. Ouais, ouais. En vrai, Chariot qui, il qui, qui fait un peu le taf ici, quand même, mm. pour le coup. Tu fais passage de Noir Percé, Chariot, ton prochain. Ouais. Et là, il fait un effet Ancienne. Oh, c'est encore pire. Et un drop 1. 1. Peut-être qu'il faut juste Hardmode Egan hein. Voilà, top ah, deck à sur, sur 80, euh, tu as pas d'Envrace, quoi. Ah, T'as pas le droit. Mm. Est-ce qu'il faut augure Parce que chat, en vrai, on s'en fout maintenant. Bah, si tu fais augure, hein, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, Donc, 6, peux 6 7, 8. Je trouver un anti-bête. Et probablement ma Vras aussi. Tu prends au moins 8, et s'il a un effet d'ancienne, euh, t'es à 1. Ouais, mais on n'a pas le choix. Non, t'es mort. T'es mort parce qu'il y a Aspirant qui met un token. Ah, mais j'ai pas le choix que d'aller chercher Vras ou... Euh... Après, le token n'attaquera pas. Hein, si ouais, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait ancienne, euh, c'est plus 5, donc t'es à 13, et il ouais. fait le marqueur d'aspirante, t'es mort. Donc si tu fais augure, il faut que tu trouves anti donc tu peux même ouais, des En fait, Chariot ne nous avance à rien, c'est ça que je veux te dire. Chariot ne nous fera pas gagner. Genre, et mais on ne un... meurt pas. Alors mais que... Que... Mais on, on ne meurt pas, mais on n'a aucune issue même à, à, à tour plus 2, et alors non, mais là euh... on voit plus de cartes. Et non, mais augure, il faut que t'aies anti-bet Exactement. Non, mais lui, il faut qu'il ait ancienne glorieuse, alors que là Chariot des IK ne nous avance strictement à rien et ne nous fait pas creuser Sans Vras, on ne gagnera jamais ce match. Bah, vas-y, mais euh, genre, c'est juste. Euh, on essaie, sinon on meurt. En fait, ce que je veux te dire, c'est que Chariot ne, ne peut pas nous faire gagner. Alors que ça, ça peut nous faire gagner. Mais ça. Ok. Oh putain, time out. Ouais. Il faut que je le fasse avant qu'il passe en phase d'attaque pour tuer l'aspirante. Tu es l'aspirante ou es la 3-4 Bah, aspirante, ça mec 2. Donc, je dirais tuer le rapace. Tuer le rapace, ouais. Faut qu'on gagne un max de temps. Si tu euh, pariais, d'ailleurs, t'attends qu'il mette un marqueur. En fait, là, le but, c'est si de tu parler sur l'avenir. Et en fait, Chariot des IK, ça nous apporte moins d'avenir qu'un Augure de la Mer. Parce mmh. que ça nous donne une draw supplémentaire. Parce qu'on on ne meurt pas sur le tour. Alors que ça, ça nous amène 3 euh... visibilités. Si tu tues la 1-1, euh, tu tues merguide de Ferry et le token. Donc c'est mieux, je crois. Hein. Et tu économises 3 points. Je crois que c'est mieux. Ouais. ouais. Ok. Et du coup, il a peut-être pas de quoi faire le token avec euh, l'esprit Bref, ouais, s'il a un autre effet antienne, il est trop fort. Bon, il y a ce qu'il faut. C'est une 3-3, on prend 3. On prend 8, on a 6. Ouais, bon, il faut tomber. Hein. Et là maintenant, c'est anti-bête. C'est anti, -bet, euh... euh, anti -bet de masse ou, ou la mort. Et c'est la mort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, mais il a la 3-3 qui va aimer. Là, la... bon, on est mort. On a rien à faire. Mmh, ouais. Bien joué. Bon, oh, quel lui, dommage. C'est ce qu'il veut battre, lui. Hein. Ah, bah, il nous bat fort, fort, quoi. Ouais. Après, c'est un peu gamble, hein, parce que si on a une vraie, s'il perd, on a une vraie, s'il a perdu. Genre là, on, Mais trouve, vraiment, euh... y a pas de... on trouve le, le verdict. Euh... Mmh. Comment il s'appelle, ce verdict Verdict des ombres, je crois. Verdict des ombres, c'est instant lose. Ouais. Bah, du coup, c'est cool, quand même, qu'il y ait des. Euh... Des decks qui se battent, mais euh, ils sont quand même très fragiles, quoi, les monoblancs. Ouais, mais ce qui est rigolo, c'est que ce deck-là, tu vois, c'est pas un deck de tournoi, c'est pas un deck qui est performant. Par mmh. contre, il vient attaquer très sévère un des meilleurs decks du format actuellement. Ouais. Rigolo. Rigolo, mais je suis déçu. Oui, mais c'est bien, parce que c'est un deck qu'on n'aurait pas forcément vu, euh, ou qu'on n'aurait pas présenté du tout, d'ailleurs. Euh, Monoblanc, je pense. Enfin, ah, sauf si ça devient euh, vraiment tier mais. Enfin, franchement, oh, s'il n'a pas moyen de générer un peu de value ou de repartir après Vras, il, il pourra jamais être tirain, je pense. Euh, je crois que c'est Keep. Ouais, tu peux aller chercher ton mana noir et culture bleu. Oh. On dirait qu'elle a un skin supplémentaire. Bah vous. Ma tête. C'est pas doté. Comment ça se fait Je sais pas. Alors lui, on sait ce qu'il veut faire aussi, du coup. Ouais Parce mais tout serait clair je, euh, je préfère. Mais par contre hier soir c'était Mirror de Riorion sur Mirror de Riorion. Ouais il n'y avait pas un euh, pas autre deck. Et y, y pas pas de comme hier soir il y a eu ça, eu ça, le lendemain ils se disent bon comment on fait pour pas faire ça, ah, le, ladder, ça le ladder ça va vite. Hein. Ça va trop vite, ça va très très vite. Enfin, ça dépend de la de qui Oui. Parce qu'on ouais. me dit des fois... Euh, ouais moi il y a toujours... Euh... Il y a toujours Monoble Contre qui me pêchait sur le ladder, je trouve que ça. Alors que ouais, Après, après nous, on, on, pas, on a des ladders très différents différent selon, différent. selon les rangs où on est, selon les lots cachés qu'on a dans le jeu, et selon si on joue en BO1 ou en BO3, c'est encore plus mmh. significatif. Ouais. Que Des fois, on présente des listes BO3, et je vous vois dans les commentaires dire, euh, j'ai testé la liste en BO1, je me suis fait éclater. C'est de ta faute. C'est une liste de BO3. C'est fait pour. Et eh oui. On le dit en plus. Ah bah, on bien dit, ce sont des listes de BO3, bien, bien sûr. Et c'est vrai qu'on présente euh, peu de listes de BO1, alors que c'est le format le plus joué sur Arena. Hop là. Parce qu'elle euh, est moins diversifiée, il n'y a pas de compétition. Si tu veux une listes de BO1, tu l'as très facilement sur les internets. Hey, mais il y a plein de gens qui ne font pas la recherche. Ah, bien sûr, ils vont pas chercher. C'est du contenu qui a, la est du contenu, euh, un peu moins informatif, quoi, je dirais. Euh, Est-ce qu'on veut le garder non, on va en garder qu'un. Du coup, on va garder celui qui est polyvalent. Mmh, ouais. Bon, avec Deland et... et Culture, je sais pas si. Bah tu on est obligé de prendre un noir pour faire cauchemar de là. Ah tu voulais euh, gérer son matériel Ouais j'aime bien et en plus ça nous permet d'enlever l'Humbercliffe qu'il aura dans sa main. Ok. Ils ont toujours les Humbercliffe. Ils sont extrêmement euh, véhéments et évidents. Et là ils nous posent une bête, on fait euh, emprisonnement et bon bah tant pis pour culture quoi. Ouais. Au diable la culture. Ouais en plus on n'a pas besoin d'aller chercher le lendemain donc euh... enfin, on a déjà des lendemains. Es chercher. Ah bah rien. Il y a pas mais je, c est, ça me va qu'il n'y ait pas oh Oui, C'est mieux. Euh, un petit là, euh, emprisonnement sur un axe, ça va être éliminé parce qu'emprisonnement va vouloir Torbran. Ah bah, du coup, tu peux land, havre, éliminer. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ok, euh, il fallait le faire à son tour. Ça change rien. Il avait pas la sévérité, euh, son token, du coup. Vous pas attaquer avec. Ah oui, ben, on, on, prend va, prendre, ra, on va prendre 3 points, euh, bêtement, t'as raison. Enfin, raison. Il n'y a pas la série de base Non. Non non il n'y a pas la série de base. What Ah il joue pas Torbran Il nous exile pas de carte Il veut jouer ça à 3-1 pour euh, que Torban soit fort. Ouais. C'est pas idiot parce que là ça nous met super mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, on prend 7. Je peux faire deux tokens hein, et je vais le faire. Je vais le faire. Fais un token enfin, un token, pardon. Un token loup de deux Ouais. Bah, c'est mieux de tuer une bête euh, avec ton emprisonnement. Mais non, vrai. mais on ne tue pas Torbran. Alors que là, le tour d'après, il va Torbran. J'ai besoin de tuer Torbran, sinon je suis ah, mort. c'est euh, top deck, ouais. C'est chiant. Ouais, c'est grave chiant, ouais. Fais je passage, peut-être non. Pourquoi Parce qu'on a assez de land là. On va réduire un peu le. Ah, là, sur 80 cartes, je pense que c'est pas très ouais, pertinent. Si alors, pas non, je pense okay. pas. Je pense qu'on aura peut-être des effets, on aura envie de reshuffle. Okay. Moi je crois, je crois qu'il faut... Qu faut faire avoir de Sol-Loup ici. Enfin, c'est ce que je ferais en tout cas. Et comme j'ai la souris, on quel dernier mot. Euh, on peut bloquer son chevalier. Ouais. Et là, s'il nous fait Torbran, on devrait pouvoir vivre dans cette game. Et par contre, si l'Umber cleave, c'est euh, la défense Sada. Il est chaud quand même. Hein. Ah, il est bon. Il enlève un en land, ok. Donc là, on prend combien On est mort ou pas Non. On on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on est mort. Ouf. Mais ils ont tous le même plan ce matin. Bah oui. En hein. fait. Ok. Bah, ouais. Ah, ceux du matin, ils n'ont pas le temps de beaucoup jouer. donc euh... Bah si, pourtant, s'ils sont là le matin, c'est qu'ils ne travaillent pas. Eh, parce qu'ils commencent euh, à travailler après. Putain, je ne suis hein, euh, ce side On <laughs> présente une liste pour battre justement des mirrors mm. et ils viennent me casser les couilles avec leur deck agressif. C'est fou ça. C'est fini, oui. Sans déconner. C'est vrai qu'on a 2-3 brasses, 2-3 anti-bêtes, mais euh, c'est dur. hein. Parce que là, on a fait une sortie très bien de notre côté. Hein. On est mort. Oh. Après, on peut avoir l'ultimatum aussi. c'est pas impossible. Alors là, on fait ultimatum, on est, on est vivant. Bah, on est mieux. Ouais. Là, on temps. a gagné même. Probable. C'est bien. Ah oui, c'est bien. Mais elles sont toutes bien, non ouais. hein. Oui, non, c'est pas ça le problème. J'ai besoin une kit restauration, quand même. Ce serait pas le deck. Est-ce qu'en fait, ce deck-là, on va, va pas se rendre pas un, deck de merde. Qui souffre... non, pas un deck de merde Non, pas un deck de merde, mais qui souffre de... du potentiel fort agressif ouais. des decks. Après, là, euh, il était tourné vers, euh, vers l'avenir ce deck. Oui. Euh, parce que beaucoup de, de mirrors. Bah, ouais. Mais si tu te rends compte que bah, justement, il y a moins de mirror et qu'il y a plein de decks agressifs, tu le tunes un peu. Et et... Ce qui est honteux, c'est que tous les decks qu'on rencontre, ils ont 0% de win rate contre Agnos Midrange, qui est le deuxième deck très populaire. Ouais. Bah écoute, il euh, shot au pairing, hein, comme on dit. J'ai l'impression qu'on est dans une faille temporelle. Mais tu sais que dès qu'on est dans le rec, mauvais spot, euh, le ladder change. Pile dans le mauvais spot, là. Mm. Actuellement. Yep. Scripté. C'est le chauffeur d'arena. Les complotistes. les gars ils te regardent. Ils vont prendre cet euh, il juste cet extrait de, de, de toi et le regarder mettre et sur le passé sur TF1. Bah Regardez, pelle a dit. Fou, bah, moi, l'a dit. C'est que c'est vrai. Viens, moi, culturel. je va chercher le des trucs. Hein. a accéléré. Donc, euh... Voilà, forêt, c'est bien. Genre un land, c'est bien, ouais. C'est top. Ah, bonne carte. Je crois que tu peux garder ta restauration jusqu'au bout, vu le nombre de landes qu'on a en main. <laughs> Et tu prends Yorion et go. Ouais. Bah, Chariot, ça va le stopper un peu quand même. Tu sais, le nombre de fois où j'ai un pitou au moment où je concède une game, et que je regarde le nombre de victoires de mon adversaire. Ouais, et qu'il y en a déjà une, mais tu sais pourquoi je Parce concède. que maintenant, ils te mettent la victoire avant même que... Quand le jeu a décidé que tu étais, ouais, bon bon, étais... Et que il à gagné 0%, t'as le, le petit truc qui se met. Hum. Je sais pas pourquoi ils font ça. En fait, c'est au moment où tu lui fais concéder que ça apparaît. Ah non, même quand il va te tuer. Quand il attaque... Ah, pour quand état, Avant lock. même que tu exploses. Ouais, c'est le jeu considère que la partie est terminée. Mais ça n'existait pas avant nouveau Ah peut-être. Ah, juste je t'as je gagnais faisait... tout le temps avant donc ça je fais pas gaffe. J'ai jamais perdu. Ça ne faisait pas ça. On a besoin de beaucoup de verre donc on va jouer en verre, on va faire un chariot. à passage et... et passage. Putain, mais tout s'appelle passage, merde. Ça aussi c'est passage. Bon. Hop, tu as 2 2 2 ou une 4 4 pour bloquer une 4 4. C'est bien, je hein? garde la 4 4 à ce blink. Blink. Ah par contre, si jamais il a un géant craco sur sur mon double bloc. Bon, il s'en bat les couilles. Il aurait pu attaquer avant pour me demander de bloquer avec mon chariot plutôt qu'avec mes 2-2-2. Alors que là, je vais bloquer avec mes 2-2-2. Il est faut... fort. Ah, mais non, mais du coup, je vais activer le chariot, effectivement. Mais mm. du coup, il joue à l'envers, en fait. Et je rejouerai mon autre chariot. Mm. Bon, il avait plutôt moyen d'attaquer avec Jean Krakos. On aurait double bloc avec nos 2-2. Ah, Est-ce que tu bloques pas la 1-1 là Je suis peut-être con. Mais non, parce que je vais Rochario derrière. Tu vas pas euh, emprisonnement euh, gérer le Anax Je crois pas. Parce que si tu peux gérer le Anax, euh, il fera qu'un token et pas 3. Non, non mais tu je peux pas. bloquer géant. Ouais. Je peux quand même bloquer géant et ouais, faire. Ouais, vas-y, bloque géant. Ouais. Je crois que là, nous, il faut juste s'acheter du temps. Mm. Et ça, ça nous en achète un peu plus. quoi. Ouais. C'est deux tokens. Là, du coup, tu peux tuer Anax, il en fera qu'un. Ouais, il y a trois tokens, il détape. Le problème, c'est qu'encore une fois, on gère plus son Torbran. quoi. Si, on a un Orion. Ouais, je pense qu'il vaut mieux là. Ouais, donc ça le plaît, effectivement. c'est toujours fonctionnel, hein, Pour ceux qui se demandaient. Ah, ça marche. L'ajout de Kaldheim, euh, enfin les montagnes enneigées quoi, ça. ça roule. Hein Passage d'eau claire. C'est un Torbran, on prend que 9, donc ça va. Il y a des Torbran, on a perdu. On va les couilles de ça. Attends, tu perds ton token là Bah là aussi. Je le perds partout en fait. Mais non. Ah non oui. Bon, je... il... il fait un ping. Il survit. Ouais, t'étais en mode c'est Torbran donc, euh... donc on perd nos bêtes quoi. On perd nos bêtes. C'est pas Torbran, c'est Arnie, front cassé. Et ouais. Et t'es pas obligé de jouer ça. Hein. C'est beaucoup moins bien que Torbran. <laughs> oh, beaucoup beaucoup moins ouais, bien. Je joue les deux hein. Mais... Ah, bah ben voilà, on a perdu. On n'a pas perdu, je crois. Non, mais bon. Ah, 4 quoi. Oh Ultimatums. Tu peux ultimatum Mais non, euh, ça ah, a fait serait... Ouais, forcément ah, engagé. Ok, pardon. Oh, il a eu peur. Ah, bah je me suis dit, euh, c'est dommage, avec Forêt on était bon, mais non. Si je fais Yorion, que je pète ça, on n'est pas mort. Ça va, bah ouais, hein. on n'est pas vivant non plus, mais non, on est mort vivant, c'est bien ça, mort vivant, comme Jean-Pierre Chevènement, le candidat des morts, des vivants et des et morts, des morts vivants. vivants, le chat, le chat, non, non. Oh, arrête, j'ai euh, déjà en galère <laughs> dans cette game, <laughs> pas l'attaquant, du coup, allez, ça revient, enfin, petit drone, va casser un petit permanent, et un il a un cibler, y a dans sa contre, taille merci. Dégagé. Ça s'annule ça. Je veux plus vous voir. Partez d'ici, enfin. Oh, c'est bien ah. ça. Éliminer, c'est bien. On bloque là, on bloque là, on prend deux. On est mort sur Torbran, On est mort sur Crusher Giant. On est mort sur tout son deck. On est mort sur Amberclive. On est mort sur Montagne enneigée, euh, un peu, un peu aiguisé. On est mort. Autre bête, célérité, on est mort aussi. Non, on n'est pas mort. Non, une autre encore, mais là il en a pas. Ah plus. oui. Ok, on est, nous, nous sommes à 1 tu peux, je te plein le cul. Mais là, tu fais ultimatum. Tu vas chercher trois tours sup. Comme ça, il est obligé de t'en donner deux. Et on l'a gagné. Je vais manger ce dé. Je vais avaler ce dé. Ah, Je tu suis, suis obligé, obligé, bro. Je me désappe là. Oh, je cague là maintenant. Là. <laughs> Allez, relance une petite vidéo. C'est oui. important de montrer aux gens qu'aussi, des fois, on se fait chier dessus. Bah des fois le meilleur deck il a des counters. Mais on le montre trop aux gens ça. ça va. En vrai, on a montré que des gameplays gagnants depuis quel Pour ceux qui en avaient marre des gameplays perdants. On ouais, rattrape voilà. tout. On rattrape tout avec celui-là. Euh, on met toutes les... toute la merde dans une vidéo. Je suis content d'être diamant et de ne plus. pas pouvoir redescendre. Mmh. Adil deal 22. Ou 22. Oui. ma oui. bah, foi très fonctionnel. Oui, mais on a vu que c'était pas la <laughs> C'est pas ça le problème, c'est l'adversaire. Adrium non Ouais je suis plus sur... Euh... Oui ça revient. Atrium en fait. sera toujours là dans la perturbation, ça va être un contre. Il dit vrai Cet homme dit vrai, écoutez-le. Oh putain. Mais, mais gros c'est fou Tu veux pas Grimoire là Non, mais je veux voir Elspeth, euh, cauchemar d'Elspeth. Elspeth Nightmare 2. Grimoire t'es chercher le nom pour faire cauchemar d'Elspeth Non. Et si ouais. c'est Mono Rouge en plus c'est pourri euh, Grimoire. Oh, c'est grûle. Oh, je glule. vais attraper un brush fire. Ou oh, un Tavernier, encore mieux. Oh, grûle. Voilà, rouge. Arrête, décide de me disrupter. Il faut qu'on gagne une game avant de <laughs> quitter le record, hein, gros. J'ai envie de rentrer chez moi vrai. avant enfin, Tu veux euh, être tranquille voilà. Tu veux que ce soit fini, là, tout ça Eh ben voilà, il faut arrêter. Oh mon Dieu. Non, mais oui. juste, on en gagne une, tu vois, pour rire. Oui, oui. Bah non, on rit déjà, non Je m'amuse quand même un peu plus quand je gagne, très honnêtement. Mes préférés. Est-ce que tu m'autorises à teaser un peu les gens Teasing Vas-y. Un jour, ce sera certainement en vidéo, ou peut-être en stream, mais je pense que ce sera en vidéo, je vous parlerai euh, du message préenregistré qu'avait ma mère à l'époque. <laughs> Le message de répondeur, c'est quand tu appelles les gens et qu'ils ne répondent pas. Ok. C'est une pépite. Ah ouais Voilà. Et je ne vous en dis pas plus. Est-ce que tu dirais que c'est pépitoïde c'est pépitoïdal, ouais. C'est pépito... C'est comme sinusoïdal, mais euh... c'est une, une fonction. C'est pépitoïdal. Ah. Bah tu vois quand tu fais vachement bien ton exercice de maths, ouais. euh, tu le montres au prof en disant bah c'est bien. Et il me dit tiens ça c'est pépitoïdal. <laughs> tu vois <laughs> il ça, aucun, une... aucun prof Lave, de maths ne dit ça en France. Mon prof disait ça. Non, non. Donc, mais euh, il aussi. aurait pu. Et j'aurais été fort content. Il aurait pu. Et t'aurais dit. C'est à dire quoi pépitoïdal J'aurais dit oui. Ah. Oui, hum. Après j'en fais. C'est quoi Je sais pas. Oh Oh C'est dans ce cas. Ah bah ben, il va prendre son verdict lui. Hein. Ah ça part hein Même bruit. Je crois que ouais. tu me mettre une goutte au montage quand je quand je fais limp. Non. Genre c'est vraiment une goutte parfaite. Genre le vrai bruit d'une goutte. Tu vois je mets une, une vidéo de genre, goutte. Je, genre oh, je fais juste... Il le... a fait apparaître une goutte. Tu fais ça, ça fait. <laughs> Mec, il se met un taquet. ça fait un bruit de goutte. <laughs> Oh, c'est bien ça. Mais ça fait peur quand s'exile d'abord l'un puis l'autre. Oui, et celui-là il y a un on problème. Dire... C'est vrai. Alors comment ça va C'est juste le meilleur jeu en fait. Oh la bête de quête. J'ai envie la de faire pipi. Bluh, bluh, bluh. Tu sais comment elles finissent les games où j'ai envie de faire pipi euh, Oui. Un énorme, et euh... un énorme régal. Non, c'est-à-dire qu'elles finissent bien. Ah ok. Parce que je croyais que tu être te barrer et que tu baisser le fond vert pour en dire. Euh, ça non, lui. je vais arrêter de tout casser chez toi. C'est bon, j'ai compris. Bah, il casse tout et il chie par terre. Ça vous, ça vous situe l'état de ma maison? <laughs> J'étais content d'aller chez lui, du coup. Ah, bah oui, c'était plus respecteux que moi, Respectueux. bien ah, plus respecteux, bien plus propre ouais. après le passage. On cherche quoi là? Des PV, merci la mère. Ah, bah un chat, ah, ça, ça, bloque, ça. Oui, ça bloque. Dites donc, oui. après cool. tu peux aussi juste brasse. Lui, il a plus qu'une 3-1 de merde, et comme ça, il nous joue sa là. non? Franchement, tu veux prendre 4 pour attraper. Euh... Ben non, je veux prendre 4, je vais trader avec mon char au dédicap. Ah oui, euh, je pensais à l'anti-bet s'il avait le bon crusher, mais. C'est bien, non T'as juste à accro, en fait. Ouais. Oh. Franchement, c'est bien. C'est trop bien contre bête de quête. Ouais. Pose ton petit triomphe là. J'avoue elle commence à me plaire un peu plus cette carte. Je, ouais. je, dois, je dois avouer que et je l'avais mis dans mon top 1 des rares et Val m'a dit... Euh... Non pas dans ton top 1 mais c'est oh vrai, ce vrai que et tu l'as trouvé bien et je l'ai trouvé nul et j'avoue que je euh, réévalue mon, mon envie sur ce charo dédica. Mais je pense que c'est vraiment pas une super bonne carte mais qu'elle a de très bonnes applications euh, actuellement. Ouais. J'avais un call sur la... une bonne carte aussi de Kaldheim qui s'est faire une bonne carte pendant une semaine, qui est Shadow of the Ouais. Qui n'existe plus, on sait pas où les est passé. Mais ça reste une bonne carte, ça pourra revenir. Ah, il a un clip, c'est sûr. Ok. Non, mais parce qu'ils l'ont tout le temps, excuse-moi d'avoir peur maintenant. Eh oui. Je suis en bas, les couilles. Ouais, je te le dis. Bah, ouais. ouais, je vais juste faire un vent un clex. Tu veux pas cauchemar de spet? Pour manger ça hein Non, à 3, ça a 5-5. Ouais, j'ai pas le droit. C'est pas le CCM Attends. C'est deux ou un ah, la force. C'est ah, pas pété un hein, cauchemar. C'est fort, mais euh, moi, ça reste. Moi j'étais en mode. Ah bah, oui, ouais, ça tue pas un plein de ouais, non Non, non calmez-vous. Je peux voir un Klex. Parce que bah, frapper d'amour en murcliff ça met 12. Hein. Je t'ai dit que je pouvais voir un Klex. Ouais, et tu perds voir un Klex. Et on prend 6. Ouais. Ah, si tu veux, je peux piocher une carte et on voit ce qui se passe. Sinon, je fais extinction sur un pair. Ça te va bah, Tu peux cauchemar là 1. Hein Comme ça, il attaque pas. Là, il faut qu'il ait 1-1 et en murcliff Mais tu peux piocher avant quand même. Ah ouais, mais non, parce que je prends pas Yorion en main, donc euh, je vais prendre Yorion en main. Ouais. Alors là, s'il attaque juste avec une 5-5, bon, j'en Tu vois, s'il a une. Genre un tavernier euh, pour jouer sa 3-1, piocher une carte et continuer à faire des trucs chiants, là, voilà comme ils font à chaque fois. Cela ne se peut. Cela ne se peut. Cela ne se. Grul qui reprend du galon. On... Ok. Grul. Euh, le très, poil de la puissant. bête. Très, très puissant, Grul. Et mental. Grul qui a la particularité d'avoir tout. Donc, bonne carte. C'est vrai. Mais euh, franchement, j'aimerais jouer Grul. J'ai euh, jamais joué Grul. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Hein. Et pour voir en fait, si euh, juste les adversaires euh, ont du talent. Non, tu verras, tu auras du talent avec. Ou euh, si tu pioches toujours le bon nombre de, de landes et de cartes actives. Tu pioches toujours le bon nombre de landes. Je, je te l'assure. C'est vrai. Comme nos contributeurs Tipeee. C'est écrit dans la description. Oui. Ils piocheront toujours le bon nombre. Tout Dans le les stocks disponibles, attention. Dans la limite, les limites des stocks disponibles, il manquait des mots. J'avais compris. Tu pouvais activer Grimoire en réponse blink. Non, je perdais. Tu perdais la partie. C'était pas bien du coup. C'est vrai que je dois arrêter de faire ça. Suivre. Tu, tu peux, mais euh, il faut savoir si tu veux gagner à la fin. quoi. Ouf, la victoire de Seval. De tu non, la cure. Ah, je compte plus dessus. Euh, hein. Elle s'est loin derrière nous. Est-ce que tu es gagnais T'as trop euh... gagné dans ta vie pour euh, te soucier de la victoire maintenant Non, non. J'aurais <laughs> jamais assez gagné, je pense. <laughs> Donc je pourrais relancer des games. Il a quoi Il a une number cleave Il a top deck number cleave Il me casse les couilles à ce point, celui-là oh, Bloque avec Orion. Hein. Tiens. Oh, bloque avec les deux, t'as raison. On l'emmerde. Voilà. Moi, je l'emmerde. Hum, tu l'emmerdes ou pas hein. Moi, je l'emmerde. Voilà. Il a bloqué ça, faire bonne crusher dessus. Bon crusher. Ou chevalet, range rock. Ça ouais. va. On sent gueuleuf ça. Oh le petit chat, il a rien pris. Ouais. Bah regarde, il a une tête de chat qui prend rien. Il devrait être indestructible les token chat. Un peu. Ouais, c'est vrai que tous les chats sont indestructibles donc ça ça coule de source quoi. Allez poubelle ton jeu. Là. Un père, ça dégage. Un père. Et passe. Un père passe. Et Mais sans bon, père. Mais deux points, s'il hein. te plaît. Il s'agit d'être extrêmement désagréable avec l'adversaire. Voilà. Il prend pour les autres. Je suis désolé, Adil. Ouais. C'est pas de ta faute. Déjà, tu joues pas de carte de Kaldame. Et en plus, les deux autres, ils m'ont monté la moutarde donnée. Les deux aux autres. Et les deux aux autres. Ils m'ont monté la sauce, tu vois. Je savais qu'il avait pioché Mamout. Mais je m'en fous. Hein. Mais on s'en fout. Mais. Oh, oh. oh, calme Parce que lui, il joue avec des créatures. Donc s'il n'y a plus de créatures, il joue pas. Il n'y a plus de cimetière. Tu savais quoi Il ne jouera plus, par contre Avec tes couilles. Oui. Ah je sais, hey, t'as vu, je sais, je suis tout. Allez, ça dégage. Euh, voir un kleks c'est Oh, merde, le, le bourré, j'adore. Et t déficat. défica. Ça fait genre... L'info deux quand même. Ça fait 4 tours, qu'il te reste un mana, donc Rimoire, euh, tu peux pas l'activer en pioche. Ouais, c'est super relou. Ah c'est vrai, ça aide fonctionnel contre les jeux agro. Ah bah là, il peut rien faire là, juste. C'est quoi, je mettrais deux disputes, moi. Pour le plaisir. Pour le plaisir, <laughs> non. Par contre, Bodénieux, c'est très bien, donc. Ouais. La Ça griffe la poussière aussi Non. Mais je te dis que c'est bien comme carte. <laughs> Écoute-moi donc Je <laughs> te promets que non. Puis-je ne pas t'écouter sur ce col Vas-y, viens une culture. À chaque fois qu'on l'a, on se dit que c'est de la merde. Allez, ouais, tu penses Allez là Allez là Ouais, ok. Ok. Oh Une carte débentée débente ça un peu si vous trouvez quelle carte de Commander Legends c'est je tiens dans ma main Studio quoi, je vous aide un peu vous gagnez votre poids en cette carte là Donc vous faites je sais pas 65 kilos vous gagnez 65 kilos de cette carte là exactement franchement vu la carte vous n'allez pas être content non mais vous faites des châteaux forts avec fin... des châteaux des cartons quoi Alors, je pense qu'avec 65 kilos de ça tu fais un château fort <laughs> Euh, bon, elle raconte propose bonne idée, ça je pense. Elle raconte. Ouais, mais je pense qu'elle se garde, moi. Parce qu'en fait, c'est un deck qui curve en face, le monsieur. Oh. Call of Sama. Mm -hmm. Oh, ça fait... Qu'est-ce euh... que vous pensez de la petite outro, euh, d'ailleurs, pour remercier les tipeurs Moi, elle me plaît. Mais elle je suis pas plaît. tipeur, donc... Euh... Ouais, mais c'est très tipeurs. Content. Ah ouais, j'adore. Il ouais. y a plein de gens qui ont commenté, qui ont trouvé ça bien. Ah ouais, ouais. ouais pas pas vu. un plein, non, mais bah si c'est plein, c'est deux, c'est bien Il y, y a des gens, ouais, il ouais. y a des gens qui ont bien aimé. Ah bah merci, alors. ça fait plaisir. Ça a été fait que... à la main. J'ai pas appris un truc euh, tout fait sur Internet, un template ou quoi. J'ai pas appris un, j'ai pas appris un. <laughs> c'est moi qui ai fait. Donc On a mon acte cruel, son truc là, con là. Euh oui. Mm -hmm. Ah bah oui, oui. À mm -hmm. ah, quoi qu'attends euh... Ah bah oui hein. si, si. Là il va avoir un truc, un truc à trois de merde pour piocher avec. Et eh ouais que mais perturbation, tu l'attrapes pas. Ouais, je l'attrape, mais il aura pioché, quoi. Ça m'emmerde. Ouais, Vas-y, tu. Tue seulement. Tue. tue, 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 tue. tue. Je retire 3 marqueurs d'Italie. De toute façon, il bolet. curve, lui, c'est simple. Du début à la fin de sa partie, il curve. C'est le principe de Grul. C'est vrai qu'une fois qu'il a 4 ou 5 landes, et il en a plus après. Voilà. Non, Ou alors, il pioche des, des Cromlec à 9, tu vois, quand il a 9 landes. Il y a vraiment, c'est curve ça. Ouais, ah, ouais. Je vois. D'ailleurs, c'est nul de faire ça pour ça Je sais pas. Oh, tu peux peut-être culture, là. Hein. Ouais, je paye 3 PV hein, si je veux culture. Culture et tu te prends bête de quête Ouais, c'est pas bon. Non, met triomphe passe. Ah, est-ce que Valky, c'est pas un col là Pour lui enlever le drop 1 qui activerait bête de quête ouais. Ah, mais là, avec ça, euh, bête frappée d'amour, pardon, parce qu'avec ça, on attrape bête de quête. Tu vois. Ouais, mais s'il lance drop 3, ouais, non, on passe. Non, mais en fait, le truc, c'est que t'as raison, c'est qu'il a probablement pas bête de quête, sinon, il avait aucun intérêt à bête frappée d'amour avant. Par contre, s'il a une autre bête frappée d'amour, ça marche aussi, c'est bon. Ah, j'aime bien Valky. Faut qu'il ait qu'un seul truc hein. Ah tu viens de il en joue beaucoup. Tu, On tente. Tu viens de me hyper. ma ah, Samadès. Oh il a rien du tout. Il espère top deck vert pour euh, neck. Oh putain. Si top deck vert, euh, tu finis la game, je vais pisser. Oh, je suis... Je suis... Yes oh, Voilà je... Il nous faut ça pour gagner ah. de la chatte, voilà Et du pâté. Non. Dans peu importe l'ordre, d'ailleurs. D'ailleurs, euh, s'il trouve son mana vert, je le, je le cueille. Oh oui. ah oh oui, fais ça, Val, s'il te plaît. Oh, cueille-le, s'il te plaît. Oh, cueille-le. <laughs> cueille-le, celui-ci. Ah, j'aurais mis une perturbation dans en peut-être, non ouais, Il va curver tout. Oui, sa J'ai repris Orion aussi, oui, il va vraiment... Mais non. Ah, putain, il fait chier. Il a trouvé un playable. Bah oui, hein. Écoute, on va prendre un. Ah non, mais il attaque avec sa 5-5, ce ah, malotru ouais bah eh ben, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, tu tueras 5-5. Ah 5 ça. Et il pourra quand même pas Cromleck. Euh, du coup. J'avoue sa main elle est nulle à Yesh, hein. je, ouais, je sais pas, sais pas quelle ambition de... il avait là, mais... Euh... De trouver des landes. <laughs> On va faire ça, je pense. Mmh, ouais, et tu mets une perturbation au land. Ok. Là voilà, du coup, euh, je pense qu'il fait plus grand chose. Il peut nous mettre 5 avec un fetch, mais... Ouais, je me méfie, hein. Ah putain, si il peut fetch en Cromleck. Putain, mais c'est horrible ce ouais. deck quoi faut que j'attaque parce que je bloque pas une bête de quête. Ah ouais. vas-y, attaque. Hein. Un... Ouais, il peut faire du Grand ouais. Aïe 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 aïe. Pour le prochain, tu peux faire un Dragon pont. Ouais. Pourquoi tu les appelles d'ailleurs les... les trucs des gens là que je... Attention. Je suis fou le con. Attention à toi. C'est pas possible quand même. Comme c'est quand genre, gens ils galèrent, ben en fait ils galèrent pas. Ah c'est le meilleur joueur de toute façon, on le sait. Hein. Grûle imbattable. C'est le problème. Bah, cela ne se peut. Hein. Ah. Bon, nous ne nous avons pas vaincu. Ça se fait gagner, hein, à un moment donné. Ouais. Mais là, euh, comment on ne meurt pas euh, Parce On peut pas bloquer ce 7 euh, Si, avec euh, Dragon, oh, on se transforme. Mais lui, il fait en Berkeley, on est mort. Ah, drôle, hein, avec Augur. Il est bien ce jeu. Je vous ai dit qu'il était bien ce jeu. Après, il a peut-être pas de land. S'il a juste pas de land face d'attaque, je... le Jawari Disruption, l'a... Et eh non, l'Ambercliffe, je, la... je la disrupte. Donc, on est pas ah mort. oui, s'il a, pas de, si nom, il a ouais. pas de land, on est pas mort. Ouais. Bah, il pioche quand même. Oui, C'est ouais. jamais. Typhon de requin, on fait une 2-2, donc c'est nul. On bloque tout dégâts, je pense. Ouais, ouais. Ah bah, ça ne nous aide pas, ça. Fin de tour. Écoute, on va y croire. Moi, je serre les fesses, là, actuellement. Pas de de Gros, c'est démoniaque. Bah, J'ai le démon là. Je te le dis, c'est démoniaque ce que bah, euh, oui, notre mais... propos il fait. t'as raison. Peut-être c'est le hein, qui est nul. Mais non, c'est pas nul. Euh... Putain. <laughs> non, c'est pas nul. Non, on la laisse comme ça. Je dis non. Bah, de toute façon, Eh je... pas, euh, pas choix. Non, celle-là, on la gagne, voilà, par contre. Oh, T'as vu la main de merde qu'il avait Comment elle s'est améliorée Il avait une main de merde et il a juste trouvé toutes les bonnes cartes. Bah ouais. Ça me plaît ça. Autre indice. C'est une carte multicolore. Tu la révèles à la fin de la vidéo Non. Faut dire oui. Oui. Oui, ah, Guillaume. Watch time. C'est rigolo, ces deux lands là ils sont censés être perdus au milieu de la foule. Oui, c'est vrai. Mais ils sont là. Ouais, c'est une forêt une île, quoi. Ouais. Non, mais c'est marrant que... Qu'il soit là. Ouais. Que la variance nous b... nous aider. Et là, il va faire une grosse sortie, comme jamais, et nous éclater. Non. On a cassé un ultimatum dans cette game Non, mais c'est pas les match-ups où tu casses des ultimatums. Après, moi, j'ai dit, un ultimatum, c'est... mignon. Ouais. Passage. il Ouais, il... Ouais, il... Si, tu plus qu on si, si on se loupe, je sais pas. Si on se loupe sur les sur les manas, ça peut on peut le pétrir. Oh, il a gardé encore une main de, euh, moisie là. de porc. Ah, mais c'est dire qu'il n'y a que de la value là. Euh, je crois que je recette Typhon parce qu'on prend Yorian en main. Ouais vas-y. Qu'on a besoin de trouver des anti-bêtes, des cartes impactantes, un truc bien en fait. Oh mm. genre pas un mana. Genre pas ça non plus. C'est le, le seul euh, qu'on a dans Devant Ouais ouais. Alors, on veut un mana noir, j'imagine. Derrière, on a... Ouais, on a ce qu'il faut en mana. Allez, viens là. Et quand on avance là, il n'y met pas de board, hein. Après, ah, c'est pas grave, on gagne du temps. Le late game euh, n'est pas pour lui, normalement. Normalement. Ok, il nous joue juste un géant Krakos, ça devrait pouvoir le faire. Autre indice, c'est une créature. Est-ce qu'on... Euh... C'est une créature. Une créature. Ah oui, bien, ah oui, viens bien. Tu seulement. Il va se fouler son géant. T'es sûr et Il va nous mettre 4 et là sinon on va juste passer le tour et wow. ton prochain on a aucun play. Par si a part Yorion qui fait rien. Et si la bête de 4 on l'a perdu. T'es content Bah ben, on refera événement extraction. Ouais. Non mais s'il avait bête de... Si on laissait passer, on prenait 8, ça que je veux dire. Ah oui ouais. On passait à 10, euh, on était content. Ouf. Quoi J'ai failli misclick. Bah serait parti à tête haute. Littéralement failli miss clic. Allez, ben qu'est-ce qu'on 14h moi j'ai un drive à aller chercher pour les courses hein, donc euh... pas tout seul quoi bah événement avec encore hein. mais bah, après il y a Dragon d'Orpon qui arrive dans la cœur oui mais merde aussi hein, un bon <laughs> moment bah, nous on fera bon un Klex, voilà et il pourra pas jouer de saga Alors il est bien con. Et il s'en fout, et il s'en fout pas bah, si si il fout là s'il si, si, fait Amber Cleave euh, quand, et qu'on bloque avec Noturion euh... C'est ah plus ouais. au ce qu'on est là. C'est au noyau de cerise. On est Charlotte, quoi. Ouais, mais bah, Et ton prochain, c'est voir un klec, c'est bah on prend l'agro Oh, 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 oh Je suis même pas sûr qu'on oh. prenne l'agro, je crois qu'on reste en défense. Bah là, il va passer son tour, parce qu'il a que des grands comblés en main et des landes. J'adorerais, hein. franchement, ce serait trop bien. Oh putain, oh, sans déconner On peut pas en prendre un qui fait pas sa sortie Mais gros, c'est insane IN -sane. Et nous, on peut jouer du kaki Eh ouais On peut juste des quoi rendez-vous co compte des quoi des kumquats c'est quoi des kumquats c'est un fruit <laughs> un kumquat ça se prononce tu <laughs> connaissez pas le kumquat non je connais pas le kumquat attends je vais te montrer ce que c'est combien de pourcentage ah de chance qu'il a un Cleave pour finir cette sortie goldée bah 100 sur 100 100 ça c'est des kumquats ah, c'est des oranges quoi pas vraiment ça ressemble c'est un euh, grume tière ok c'est de la famille des euh, Rutaceae. Ah je connais. Si ça te situe. Bah bien sûr. Autre indice. Voilà. Enfin. Alors, je vous donne le flavortex. Elle entend chaque voix de la brume tourbillonnante et chuchotante et promet de leur raconter des histoires. Très stylé. Genre dans la fontaine. T'as qu'il y a un mec qui est en train de nous déféquer sur le visage. Il n'y a pas un Mercle. Mais il nous est chié dessus. Oh Oh Attends, attends, tu peux le cast ou pas Oui Noir, noir, bleu, bleu, Ah oui, de... je peux. Passage. En bleu Non, je rigole. <laughs> Fais-le comme si <laughs> on de tête autre. Ultimatum. Voilà. Culture. <rire> Eliminate. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut Kyora. Kyora. Révélation. Ah mais on a déjà voir un clex à nous ah c'est pas grave, tu fais Tour Sup et Javier et Adil, non Adil c'est lui et Tibalt. Ouais. Vous pouvez prendre une Vras peut-être aussi Non. Non non fait le beau jeu. Il faut que les gens voient. Ok. révélation qui est juste là. Confirmer trois. Est-ce que tu peux exiler un avec Tibalt Ouais bien sûr, je vais lui récupérer son cramplec. Oh tu peux le cast c'est formidable. Ah oui, C'est complètement tard. Mmh. Il peut aussi ne pas choisir de carte. Et du coup, on n'en casse aucune. C'est le trou de cette carte. Mais il faut que l'adversaire soit au courant. Pour que les gens le sachent. Quand un mec vous dit bah, Ultimatum, il vous présente ses trois en fait. Mmh. Ok. Mmh. Ouais ouais. ouais. Donc, trois cartes. ouais. Et il reste quoi 15 minutes de jeu. Mmh. Ok. Je vais aller faire un petit pipi. <laughs> Là-bas, très loin. Et voilà, le mec a perdu parce que c'était à lui de... de résoudre son. Mec, son tu sais qu'on est peut-être en train de gagner une game qu'on ne peut pas gagner à la base. Ah, il veut pas jouer pour SUP. Oh, les limbes. Est-ce est... qu'on a. C'est oh, quoi C'est la carte exilée. Mais c'est fou, les limbes, c'est encore plus loin que l'exil. <laughs> non, mais attends, attends, attends. 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 <laughs> On peut pas passer autour, à côté de ça. Genre, <laughs> bah oui, c'est la carte. Non, 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 non. Les limbes, gros. Les limbes, ouais, elle était sortie de l'exil. Bon, ah, dans, clics, quel, est dans le... quel ordre On s'en fout. Il y a pas d'ordre, ok. Bah, quand il n'y a pas vraiment bon un clic, c'est pas d'ordre. tu. Attention quand même. Attention. Sachant que la deuxième carte que tu cliques, c'est la première carte qui est castée. Eh oui, c'est pour Donc, ça, ça avec c'est sur un que son deuxième. Qu'est-ce qu'on fait avec Tibaltus Alors là, t'as euh, du bon bloc dans ta blocatière. Du coup, est-ce que c'est pas cromlech qui dégage C'est cromlech qui que là, dégage. Tu une 4-5 pour bloquer son dragon. T'as une 8-8 pour bloquer son board. Et je crois qu'on meurt pas avec le reste. Ouais, mais tu vois, si jamais j'exile le dragon, je garde mon Tibalt. Alors qu'en exilant cromlech, ce n'est pas le cas. Ah ouais Ouais. Pourquoi bah Parce qu'il va attaquer avec tout. Ouais, mais tu traînes deux bêtes, il, il est mort. Hein. Et il a plus de cromlech. Je pense que tu peux donner Tibalt. Hein. Attends, non. Trop oh, tard. rigole C'est pas le moment. Oh, cromlech, il coûte que deux, du coup. C'est pas le moment. On... 8, 8. <laughs> on peut la gagner, celle-là. On peut encore la gagner s'il a pas un Burkleave. S'il n'a pas tout. Je me mon chakra. Ben. Oh, il aurait pu avoir un fetch aussi. Et que du coup, on puisse pas bloquer favorablement ma boucle. Ah, c'est pas grave. Ça aurait été chiant. Ah non, mais regarde. Va, euh, fait, le, ah le mais fait de ça on, aurait coûté sur T'imagines, non, on va faire ça plus voir un Klex, il va prendre deux marqueurs. Explosion de saveur. Je commence à avoir peur, je te le dis. Pourquoi il a ça Je me cague un petit peu dessus, là. On il est a Humber Cleave. Non, on n'est pas mort, mais s'il Cleave, gros. Attends si, avec ses deux manas, il casse si coupes, Il a bah... un burkleave, mais je sais pas ce que je fais. Je vais prendre un cube de magie cubor et je le bouffe. Comme ça. Véridique Non. Si. Non, non, mais c'est ah, dégueulasse. Je fais la moitié avec toi. <laughs> non, je non. fais la moitié avec toi. Je fais la moitié Non, non le titre, il ne compte c'est dégueulasse. bouffe un cube cubor. Gros, la moitié avec toi. Je préfère manger cette carte. S'il a un burkleave, je bouffe la moitié du cube cubor. J'avais pas faim. Extrêmement peur là. Mais j'aurais pas mangé moi. Mais si, c'est vraiment au pire, au pire, dégueulasse. Tu peux pas savoir. Là, je coupe mon gros. Oh là là, on a mangé, c'était ouais. pas bon. Tu fais Chromelec voir un glax, hein. ça amuse bien là. Hein. Bah oui. <laughs> Et il va top deck battre de quête. Va... Bah Donc, ça on va. Fou. Du coup, s'il fait ça. Ah, Est-ce que je préfère pas tuer un truc Non. Ah non, mais on voir un glax. Oh, on voit un glax. On voit un clèche. Un 8-8, 8 points. Ah, bah oui, ça se dégage pas, on est d'accord. Ouais, ouais. Ah, mais si la bête de quête, on est à non, 1. Ah, c'est Mais non, tu bloques avec ta 8-8. À la Mais Non, mais ah je non, mets 16, 16 avec moi. Mais pourquoi Tu mets 16 Bah, gros, si la bête de quête, il se passe quoi Y'a rien a... qui nous tue, là. Bah, si la bête de quête, non. Si un Ah, vas-y, bloc... bah, il il mets 16, mais 16. Non, 16. mais attends, viens, on réfléchit. Euh... Non, non. Pas d'attaque. <laughs> y'a quoi qui nous tue Il rien qui nous tue. Et ce qui ne nous tue pas, ça nous rend plus fort. Donc, c'est bon. Même sur euh, Chromelec, dans Bed, dans Gigagoo, euh, ça nous tue pas. Gigagigagoo, Mais gros, on a gagné. Je vais prendre son dragon d'Orpon. Ah j'avais pas prévu ça. Non mais c'est bon, mais il n'y a pas assez de mana là. Bah, je sais pas. Ah bah si sur mana infinie, on pouvait perdre comme ça, mais là non. Aïssa, mais là non. J'ai peur, peur. Moi, peur je te le dis, j'ai peur, excuse-moi, excuse-moi d'avoir J'ai le droit de. Je suis euh... à tes côtés, Val, n'aie pas peur. Parce que je peux montrer un peu ma fragilité aussi. Oui, oui, ça tu peux. Fetch un peu. Fetché. vous. Hein. Il faut piquer un bloqueur euh, Oui, parce que tu le. Ah, si, tu le dégages. Donc, si tu prends un dragon. Ah mais. Il doit... Et là, tu vas tuer une 1-1. Il bloque la 8-8 avec sa 5-5, par exemple. Il bloque. Pourquoi j'ai pas de Moi, je peux tuer aussi une 5-5, en fait. Enfin, euh, ouais, tu vas tuer un bloqueur, excuse-moi qui il... il prend 4, il est bon. à deux. Et avec les piétinements, on a gagné. Les piétinements, c'est bon, t'as gagné. Ouais. Donc tu prends le goût C'était facile, mais je suis il faut Méga jouir euh, mentalement. <laughs> bah, je te le dis. Est-ce que tu dwix Je dwix un max, oh. bah, parfait. Oh, ils ont fait les deux effets, incroyable. Là, tu passes. Non. C'est bien, tu suis voilà. Je suis dans une méga dwixance. Terminado. Yes! Yes! yes. Attends, quel plaisir! Je te l'ai dit, à chaque fois que j'ai envie de pisser, ça finit par, euh, par, euh, par une game incroyable. Pouf! C'était une Thalys. Voilà. On s'en fout, hein? Euh, Thalys oh, révérente, euh, médium, regardez. Je savais même pas que cette carte existait. Oh, ah, ça me fait plaisir. Plus. Voilà. Je vous le dis, je suis heureux. Satisfait. Ah, je suis saucé. Et du coup, Sultai, c'est bien le meilleur deck. Ça éclate Grul. C'est un très bon deck. De et les decks, aggro, euh, chattent, euh, tout, Sinon, euh... les decks aggro, ils chatent, mais c'est tout quoi. Sinon, les decks aggro, c'est compliqué. Vous pouvez peut-être retravailler le side, ah, si peut-être vous, vous mettre un peu plus de. de mais voir, en vrai, est il quoi. est cool ce deck. Ouais. Mais je pense que, genre, un verdict de plus, main deck, c'est pas déconnant. Pour aggro, pour euh, Grul okay. même, c'est bien. Et ouais, mais et en tournoi, si tu rencontres que des Ragdos, Midrange et des Sultai, euh, ton verdict, tu te le oh, mets. Euh... c'est bien, exil, euh, Kroxa, oui, non, ça exile Croxa, Egon. Non, je va. pense que c'est vraiment bien, verdict, euh, genre, dans la méta là. Hein. Oh. en mirant c'est Damien mais ouais, euh, bah à part ouais, ça c'est euh... un problème quoi non mais bon il va falloir justement essayer d'attendre que le méta stabilise savoir qu'est-ce qui va être joué peut-être adapter votre liste aux ladder, ouais. qui sont souvent ou adapter très... votre ladder adapter votre ladder qui sont souvent la, la méta du ladder est souvent très différente de la méta des tournois mais globalement cette chaîne un peu Yorion-Sultai il y a des possibilités quoi oui exactement Fin de cette vidéo, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, partagement, ça nous régale. Euh, si vous y pensez, si vous pouvez le faire, voilà, ça fait toujours, toujours plaisir. Notre chaîne Twitch avec nos réseaux sociaux dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.